C'est mon habitude d'aller me promener sur les 5 heures du soir au Palais Royal. C'est moi qu'on voit toujours seul, rêvant sur le banc d'Argençon. Je m'entretiens avec moi-même de politique, d'amour, de goût ou de philosophie. J'abandonne mon esprit à tout son libertinage. Je le laisse maître de suivre la première idée sage ou folle qui se présente. Comme on voit dans l'allée de foi, nos jeunes dissolus marcher sur les pas d'une courtisane à l'air éventé, au visage riant, à l'œil vif, au nez retroussé. Quitter celle-ci pour une autre, les attaquant toutes et ne s'attachant à aucune. Mes pensées, ce sont mes catins. Si le temps est trop froid ou trop pluvieux, je me réfugie au café de la Régence. Là, je m'amuse à voir jouer aux échecs. Paris est l'endroit du monde et le café de la Régence l'endroit de Paris où l'on joue le mieux à ce jeu. C'est chéré que font assaut le Gall le profond, Philidor le subtil, le solide maillot, qu'on voit les coups les plus surprenants et qu'on entend les plus mauvais propos. Car si l'on peut être homme d'esprit et grand joueur d'échecs comme le Gall, on peut être aussi un grand joueur d'échecs et un sot comme Foubert et Maillot. Un après-dîner, j'étais là, regardant beaucoup, parlant peu et écoutant le moins que je pouvais, lorsque je fus abordé par l'un des plus bizarres personnages de ce pays, où Dieu n'en a pas laissé manquer. C'est un composé de hauteur et de bassesse, de bon sens et de déraison. Il faut que les notions de l'honnête et du déshonnête soient bien étrangement brouillées dans sa tête, car il montre ce que la nature lui a donné de bonnes qualités sans ostentation et ce qu'il en a reçu de mauvaises sans pudeur. Rien ne dissemble plus de lui que lui-même. Quelquefois, il est maigre et hâve, comme un malade au dernier degré de la consomption. On compterait ses dents à travers ses joues. On dirait qu'il a passé plusieurs jours sans manger ou qu'il sort de la trappe. Le mois suivant, il est gras et replet, comme s'il n'avait pas quitté la table d'un financier ou qu'il eût été enfermé dans un couvent de Bernardins. Il vit au jour la journée, triste ou gai, selon les circonstances. Je n'estime pas ces originaux-là. D'autres en font leurs connaissances familières, même leurs amis. Ils m'arrêtent une fois l'an, quand je les rencontre, parce que leur caractère tranche avec celui des autres. Et qu'ils rompent cette fastidieuse uniformité que notre éducation, nos conventions de société, nos bienséances d'usage ont introduites. S'il en paraît un dans une compagnie, c'est un grain de levain qui fermente et qui restitue à chacun une portion de son individualité naturelle. Il secoue, il agite, il fait approuver ou blâmer, il fait sortir la vérité, il fait connaître les gens de bien, il démasque les coquins. C'est alors que l'homme de bon sens écoute et démêle son monde. Je connaissais celui-ci de longue main. Il fréquentait dans une maison dont son talent lui avait ouvert la porte. Il s'y était introduit, je ne sais comment, et il y avait son couvert. L'homme, c'est Rameau, le neveu de ce musicien célèbre qui nous a délivré du plein chant de Lully, que nous psalmodions depuis plus de 100 ans, et qui, après avoir enterré le Florentin, sera enterré à son tour par les virtuoses italiens. Ce qu'il pressentait, qui le rendait sombre, triste, hargneux, car personne n'a autant d'humeur, pas même une jolie femme qui se lève avec un bouton sur le nez, qu'un auteur menacé de survivre à sa réputation. Témoin Marivaux et Crébillon le fils. Vous voilà, monsieur le philosophe. Et que faites-vous ici parmi ce tas de feignants? Est-ce que vous perdez aussi votre temps à pousser les bois? Non, mais quand je n'ai rien de mieux à faire, je m'amuse à regarder un instant ceux qui le poussent bien. Bon, ça, vous vous amusez rarement. Excepté le Gall et Philidor, le reste n'y entend rien. Monsieur de Bissy, alors? Celui-là est en échec, ce que Mademoiselle Cléon est en actrice. Ils savent de ces jeux-là l'un et l'autre tout ce qu'on en peut apprendre, pas plus. Vous êtes difficile, ouais. Et je vois que vous ne faites grâce qu'aux hommes sublimes. Ouais. Aux échecs, aux dames, en poésie, en éloquence, en musique et autres fadaises, à quoi bon la médiocrité dans ces genres? Un peu de choses, j'en conviens.
Mais c'est qu'il faut qu'il y ait un grand nombre d'hommes qui s'y appliquent pour faire sortir l'homme de génie. Il est un dans la multitude. Mais c'est pour cela. Il y a une éternité que je ne vous ai vu. Bon, je ne pense guère à vous quand je ne vous vois pas, mais vous me plaisez toujours à revoir. Qu'avez-vous fait? Ce que vous, moi et tous les autres font. Du bien, du mal, et rien. Et puis j'ai eu faim. Et j'ai mangé, quand l'occasion s'en est présentée. Après avoir mangé, j'ai eu soif. Et j'ai bien bu, quelquefois. Vous vous portez donc toujours bien? Oui, ordinairement, oui. Mais pas merveilleusement aujourd'hui. Oh, comment? Vous voilà avec un ventre de silène et un visage. Un visage qu'on prendrait pour son antagoniste. Ha! C'est que l'humeur qui fait sécher mon cher oncle. Engraisse apparemment son cher neveu. À propos de cet oncle, le voyez-vous quelquefois? Ouais. Passer dans la rue. Est-ce qu'il ne vous fait aucun bien? S'il en fait à quelqu'un, c'est sans s'en douter. C'est un philosophe dans son espèce. Il ne pense qu'à lui. Le reste de l'univers lui est comme un clou à souffler. Sa fille et sa femme n'ont qu'à mourir quand elles voudront. Pourvu que les cloches de la paroisse continuent de résonner, tout sera bien. Cela est heureux pour lui. Et c'est ce que je prise particulièrement dans les gens de génie. Ils ne sont bons qu'à une chose. Passer cela, rien. Ils ne savent ce que c'est que d'être citoyen, père, mère, parent, ami. Il faut des hommes, ouais. Mais pour des hommes de génie, point. Non, ma foi, il n'en faut point. Ce sont eux qui changent la face du globe. Et dans les plus petites choses, la sottise est si commune et si puissante qu'on ne la réforme pas sans charivari. Ces gens-là sont détestables. Et si un enfant a porté en naissant sur son front la caractéristique de ce dangereux présent de la nature, il faudrait ou l'étouffer, ou le jeter aux égouts. Vous consommez donc là une terrible haine contre le génie. À n'en jamais revenir. Oh, mais j'ai vu un temps que vous vous désespériez de n'être qu'un homme commun. Tout en convenant avec vous que les hommes de génie sont communément singuliers. Ou, comme des proverbes, qu'il n'y a pas de grands esprits sans un grain de folie. On n'en reviendra pas. On méprisera les siècles qui n'en auront point produit. Ils feront l'honneur des peuples chez lesquels ils auront existé. Tôt ou tard, on leur élève des statues. Et on les considère comme les bienfaiteurs du genre humain. Par exemple, l'homme de génie qui décrit une erreur générale ou qui accrédite une grande vérité est toujours un être digne de notre vénération. Il peut arriver que cet être soit la victime du préjugé et des lois. Mais le temps finit par lui rendre justice. De Socrate ou du magistrat qui lui fit boire la ciguë, quel est aujourd'hui le déshonoré? Le voilà bien avancé, Socrate. En a-t-il moins été condamné? En a-t-il moins été mis à mort? En a-t-il moins été un citoyen turbulent? Écoutez-moi, cher homme. Une société ne devrait pas avoir de mauvaises lois. Et si elle n'en avait que de bonnes, elle ne serait jamais dans le cas de persécuter un homme de génie. Je ne vous ai pas dit que le génie fût indivisiblement lié à la méchanceté, ni la méchanceté au génie. Un sot sera plus souvent un méchant qu'un homme d'esprit. Quand un homme de génie serait communément d'un commerce dur, difficile, épineux, insupportable, quand même ce serait un méchant, qu'en concluriez-vous? Qu'il est bon à noyer. Doucement, cher homme. Ça, je ne prendrai pas votre oncle pour exemple. C'est un homme dur, c'est un brutal, il est sans humanité. Et d'une avarice? Non. Ah si, si, comme ça. Il est mauvais époux, mauvais père, mauvais oncle. Mais il n'est pas décidé que ce soit un homme de génie. Qu'il ait poussé son art fort loin. Qu'il soit question de ses ouvrages dans 10 ans. Mais Racine, celui-là, certes, avait du génie. Et ne passez pas trop pour un homme bon. Ne me pressez pas, car il me faut réfléchir. Lequel des deux préféreriez-vous? Ou qu'il eût été un homme bon, identifié avec son comptoir comme Brisson le libraire ou Joubert le tailleur, faisant régulièrement tous les ans un enfant légitime à sa femme, bon père, bon époux, bon voisin, bon oncle, honnête commerçant, mais rien de plus. Ou qu'il eût été fourbe, traître, ambitieux, envieux, méchant, mais auteur tendrement.
de Britannicus, d'Iphigénie, de Phèdre, d'Athalie. Peut-être que de ces deux hommes, il eût mieux valu qu'il eût été le premier. Cela est même infiniment plus vrai que vous ne le sentez. Oh. Vous voilà, vous autres. Si nous disons quelque chose de bien, c'est comme des fous ou des inspirés, par hasard. Il n'y a que vous autres qui vous entendiez. Oui, monsieur le philosophe, je m'entends. Et je m'entends aussi bien que vous vous entendez. Voyons. Eh bien, pourquoi pour lui? C'est que votre homme de génie, là, toutes ces belles choses qu'il a faites, ne lui ont pas rendu 20 000 francs. Et que s'il eût été un bon gros marchand bien achalandé, il eût amassé une immense fortune. Et qu'en amassant, il n'y aurait eu sorte de plaisir dont il n'eût joué. Il aurait donné de temps en temps la pitance à un pauvre diable de bouffon comme moi, qui l'aurait bien fait rire. Et qui lui aurait présenté dans l'occasion une jeune fille, qu'il aurait désennuyé de l'éternelle cohabitation avec sa femme. Que nous aurions fait chez lui d'excellents repas, joué gros jeu, bu d'excellents vins, d'excellents cliqueurs, d'excellents cafés, fait des parties de campagne. Il eût été mieux pour ses entours. Sans contredit, pourvu qu'il n'eût pas employé d'une façon déshonnête l'opulence qu'il aurait acquise par un commerce légitime. Qu'il eût éloigné de sa maison tous ses joueurs, tous ces parasites, tous ces fans complaisants, tous ces feignons, tous ces pervers inutiles et qui les fait assommer à coups de bâton par ses garçons de boutique, l'homme officieux qui soulage par la variété les maris du dégoût d'une cohabitation habituelle avec leur femme. Assommer, monsieur, assommer. On n'assomme personne dans une ville bien policée. Et à quoi diable voulez-vous donc qu'on emploie son argent? Si ce n'est à avoir bonne table, bon vin, belle femme, plaisir de toutes les couleurs, amusement de toutes les espèces. J'aimerais autant être gueux que de posséder une grande fortune sans aucune de ses jouissances. Mais revenons à Racine. Cet homme-là n'a été bon que pour des inconnus et que pour le temps où il n'était plus. D'accord. Mais peser le mal et le bien. Dans 1000 ans d'ici, il fera verser des larmes. Il sera l'admiration des hommes dans toutes les contrées de la terre. Il inspirera l'humanité, la commisération, la tendresse. On demandera qui il était, de quel pays, et on l'enviera à la France. Il a fait souffrir quelques êtres qui ne sont plus, auxquels nous ne prenons presque aucun intérêt. Nous n'avons rien à redouter, ni de ses vices, ni de ses défauts. Il eût été mieux, sans doute, qu'il eût reçu de la nature la vertu d'un homme de bien avec les talents d'un grand homme. C'est un arbre qui a fait sécher quelques arbres plantés dans son voisinage, qui a étouffé les plantes qui croissaient à ses pieds. Mais il a porté sa cime jusque dans la nue. Ses branches se sont étendues au loin. Il a prêté son ombre à ceux qui venaient, qui viennent et qui viendront se reposer autour de son tronc majestueux. Il a produit des fruits d'un goût exquis et qui se renouvellent sans cesse. Mais si la nature était aussi puissante que sage, pourquoi ne les a-t-elle pas fait aussi bons qu'elle les a fait grands? Mais ne voyez-vous pas qu'avec un pareil raisonnement, vous renversez l'ordre général? Et que si tout ici-bas était excellent, il n'y aurait rien d'excellent. Ah, vous avez raison. Le point important est que vous et moi nous soyons, et que nous soyons vous et moi. Et foin du plus parfait des mondes, si je n'en suis pas. Il n'y a personne qui ne pense comme vous et qui ne fasse le procès de l'ordre qui est, sans s'apercevoir qu'il renonce à sa propre existence. Il est vrai. Acceptons donc les choses comme elles sont. Voyons ce qu'elles nous coûtent et ce qu'elles nous rendent. Et laissons là le tout que nous ne connaissons pas assez pour le louer ou le blâmer, et qui n'est peut-être ni bien ni mal, s'il est nécessaire, comme beaucoup d'honnêtes gens l'imaginent. Je n'entends pas grand-chose à tout ce que vous débitez là. Hein. C'est apparemment de la philosophie. J'avoue bien que je ne m'emmène pas.
Non, tout ce que je sais, c'est que je dois bien être un autre. Au hasard, un grand homme, un homme de génie. Ouais. Il faut que j'en comprenne. Il y a là quelque chose qui me le dit. Je n'en ai jamais entendu louer un seul. Et son éloge ne m'ait fait enrager secrètement. Je suis envieux. Lorsque j'apprends de leur vie privée quelques traits qui les dégradent, je l'écoute avec plaisir. Cela nous rapproche. J'en supporte plus aisément ma médiocrité. Je n'ai jamais entendu jouer l'ouverture des Indes galantes. Jamais entendu chanter nuit, éternelle nuit, sans me dire avec douleur. Voilà ce que tu ne feras jamais! Ah. Il y a là quelque chose qui me parle et me dit... Rameau, tu voudrais bien avoir fait ces deux morceaux-là? Si tu avais fait ces deux morceaux-là, tu en ferais bien deux autres. Quand tu en aurais fait un certain nombre, on te jouerait. On te chanterait partout. Quand tu marcherais, tu auras la tête droite. Ta conscience te rendrait témoignage à toi-même de ton propre mérite. Les autres te montreraient du doigt. On dirait c'est lui qui a fait les jolies musiques. Bon. Tu auras une belle maison, un bon lit, de bon vin, un bel équipage, de jolies femmes. Sans faquin te viendrait encenser tous les jours. Et c'est ainsi que l'on te dira le matin que tu es un grand homme. Tu lirais dans les gazettes que tu es un grand homme. Tu serais convaincu le soir que tu es un grand homme. Et le grand homme Rameau s'endormirait au doux murmure de l'éloge qui retentirait dans son oreille. Même en dormant, il aurait l'air satisfait. Sa poitrine se dilaterait, s'élèverait, s'abaisserait avec aisance. Il ronflerait comme un grand homme! Vous croyez donc que l'homme heureux a son sommeil? Si je le crois. Ha! Moi, pauvre air! Lorsque le soir j'ai regagné mon grenier et que je me suis fourré dans mon grabat, je suis ratatiné sous mes couvertures. J'ai la poitrine étroite et la respiration gênée. C'est une espèce de plainte faible qu'on entend à peine. Au lieu qu'un financier fait retentir son appartement et étonne toute sa rue. Mais ce qui m'afflige aujourd'hui, ce n'est pas de ronfler et de dormir mesquinement comme un misérable. Bah, ce serait pourtant triste. Hein. Ce qui m'est arrivé, il est bien davantage. Ah, qu'est-ce donc? Vous avez toujours pris quelque intérêt pour moi, hein? Parce que je suis un bon diable. Que vous méprisez dans le fond, mais qui vous amuse. C'est la vérité. Eh bien, je vais vous le dire. Vous savez que je suis un ignorant, un sot, un fou, un impertinent. Ce que nos bourguignons appellent un fiévétruant. Un escroc! Oh, quel panégyrique! Il est vrai de tout point. Il n'y a pas un mot à rabattre! Point de contestation là-dessus, s'il vous plaît! Personne ne me connaît mieux que moi. Et encore. Je ne vous dis pas tout. Je ne veux point vous fâcher. Et je conviendrai de tout. Eh bien, je vivais avec des gens qui m'avaient pris en gré précisément. Parce que j'étais doué à un rare degré de toutes ces qualités. Bah, cela est singulier. Jusqu'à présent, j'avais cru qu'on se les cachait à soi-même ou qu'on les méprisait dans les autres. Se les cacher... Est-ce qu'on le peut? Soyez sûr que quand Palisseau est seul avec son collègue, il s'avoue franchement qu'ils ne sont que des insignes maroufles. Les mépriser dans les autres? Fuis donc. Mes gens étaient plus équitables. Et mon caractère me réussissait merveilleusement auprès d'eux. J'étais comme un coq en pâte. On me fêtait. On ne me perdait jamais un moment sans me regretter. J'étais leur petit Rameau, leur gentil Rameau. Leur Rameau le fou, l'impertinent, l'ignorant, le paresseux, le bouffon, la grosse bête. Il n'y avait pas une seule de ces épithètes qui ne me valut un sourire, un soufflet, un coup de pied, une caresse. À table, un bon morceau qu'on me jetait dans mon assiette.
Hors de table, une liberté que je prenais sans conséquence. Car moi, je suis sans conséquence. On fait 2 mois devant moi, avec moi, tout ce qu'on veut sans que je m'en formalise. Et les petits présents qui me pleuvaient sans cesse. Le grand chien que je suis. J'ai tout perdu. J'ai tout perdu pour avoir eu le sens commun une fois, une seule fois. Ainsi, ça m'arrive jamais. Oh. De quoi s'agissait-il donc? Un mot. Vous avez tombé pour cela. La sottise d'avoir eu un peu de goût, un peu d'esprit, un peu de raison. Raymond, mon ami, cela vous apprendra à rester ce que Dieu vous fit et ce que vos protecteurs vous voulaient. Aussi, on vous a pris par les épaules, on vous a conduit à la porte, on vous a dit « Faquin, sortez !» Ne reparaissez plus! Cela veut avoir du sens, de la raison, je crois. Mais je... Sortez! Vous vous en êtes allé en vous mordant les doigts. C'est votre maudit gang qu'il fallait mordre auparavant! Mais n'y aurait-il pas moyen de se rapatrier? La faute que vous avez commise est-elle si impardonnable? À votre place, j'irai retrouver mes gens. Vous leur êtes plus nécessaire que vous ne croyez. Oh. Je suis sûr qu'à présent qu'ils ne m'ont plus pour les faire rire. Ils s'ennuient comme des chiens. J'irai donc les retrouver. Je ne leur laisserai pas le temps de se passer de moi, de se tourner vers quelque amusement honnête. Car qui sait ce qui peut arriver? Ce n'est pas là ce que je crains. Ça n'arrivera pas. Oh, quelque sublime que vous soyez, un autre peut vous remplacer. Difficilement. D'accord. Cependant, j'irai les retrouver. J'irai avec ce visage défait, ces yeux égarés, ce cou débraillé, ses cheveux ébouriffés dans l'état vraiment tragique où vous voilà. Je me jetterai aux pieds de la divinité. Et, sans me relever, je lui dirai d'une voix basse et sanglotante. Pardon, madame, pardon! Oh, je suis un indigne, un infâme, pardon! Ce fut un malheureux instant, car vous savez que je ne suis pas sujet à avoir du sens commun, et je vous promets de n'en avoir de ma vie! Oui, ma petite reine de ma vie! Oui, oui! Oui, 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 oui. Vous avez raison. Mais cependant, allez s'humilier devant le guenon. Criez miséricorde au pied d'une petite histrionne que les sifflets du parterre ne cessent de poursuivre. Moi, Rameau, fils de Monsieur Rameau, grand apothicaire de Dijon. Moi, Rameau, le neveu de celui qu'on appelle le grand Rameau. Moi, Rameau, qui est composé de pièces de clavecin, que personne ne joue, mais qui peut-être un jour passeront à la postérité. Moi, j'irai. Tenez, monsieur, cela ne se peut. Je sens là quelque chose qui s'élève et me dit « Rameau, tu n'en feras rien !» Il faut qu'il y ait une certaine dignité. Attaché à la nature de l'homme que rien ne peut étouffer. Dignité d'occasion, soit. Oui. Car il y a d'autres fois où il ne m'en coûterait rien pour être vil tant qu'on voudrait. Tenez, ces jours-là, pour 1 liard, je baiserai le cul à la petite comédienne Manon Huss. Oh, mon ami! Elle est blanche, jolie, douce, prêtelée. C'est un acte d'humilité auquel un plus délicat que vous pourrait quelquefois s'abaisser. Entendons-nous? C'est qu'il y a baiser le cul au simple et baiser le cul au figuré. Pour la Manon, à moi les deux! Puisque l'expédient que je vous suggère ne vous convient pas, ayez donc le courage d'être gueux. Il est dur d'être gueux. Tandis qu'il y a tant de sots opulents dépend desquels on peut vivre. Et puis le mépris de soi. Il est insupportable, là. Est-ce que vous connaissez ce sentiment-là? Si je le connais. Combien de fois je me suis dit, comment Rameau? Il y a 10 000 bonnes tables à Paris, il y a 15 ou 20 couverts chacune. Et de ces couverts-là, il n'y en a pas un seul pour toi. Il y a des bourses pleines d'or qui se versent de droite et de gauche. Et ils n'entendent pas une pièce sur toi. 1000 petits beaux esprits sans talent, sans mérite, 1000 petites créatures sans charme sont bien vêtues. Et toi? Toi, tu irais tout nu? Et tu serais imbécile à ce point-là.
Est-ce que tu ne serais pas flatté comme un autre? Est-ce que tu ne serais pas mentir, jurer par jurer, promettre, tenir ou manquer comme un autre? Est-ce que tu ne saurais pas te mettre à quatre pattes comme un autre? Est-ce que tu ne saurais pas favoriser l'intrigue de madame et porter le billet doux de monsieur comme un autre? Est-ce que tu ne saurais pas encourager ce jeune homme à parler à mademoiselle et persuader mademoiselle de l'écouter comme un autre? Est-ce que tu ne saurais pas faire entendre à la fille d'un de nos bourgeois qu'elle est mal mise? Mais que de belles boucles d'oreilles, un peu de rouge, des dentelles, ou une robe à la polonaise, lui sierait à ravir. Que ces petits pédales ne sont pas faits pour marcher dans la rue. Qu'il y a un beau monsieur, jeune, ou pas, mais riche, qui a un habit galonné d'or, un superbe équipage, si grand laquais, qu'il a vu en passant, qu'il la trouve charmante. Et que depuis ce jour-là, il en a perdu le boire et le manger, qu'il n'en dort plus, qu'il en mourra. Elle m'écoute. Le galant vient enfin, il plaît. Un soir au crépuscule, la petite dinde disparaît dans quelques maisons de joie. Et l'on me compte mes 2000 écus. Ha! Et quoi? Tu possèdes ce talent-là et tu manques de pain? N'as-tu pas honte, malheureux? Qu'avez-vous? Rien. Vous me paraissez troublé. Je le suis aussi. Mais enfin, que me conseillez-vous? De changer de propos! Malheureux, dans quel état d'abjection vous êtes tombé? Ah. Quoi qu'il en soit, je me suis fait chez ce financier quelque épargne. Le temps s'est écoulé et c'est toujours autant d'amasser. Vous voulez dire de perdu? Non, non, d'amasser. On s'enrichit à chaque instant. Un jour de moins à vivre. Ou un écu de plus, c'est tout le temps. Le point important est d'aller librement à la fosse commune. Voilà le grand résultat de la vie dans tous les états. Au dernier moment, tous sont également riches. Et Antoine Crozat, dit Crozat Crésus, qui à force de vol, de pillage, de banqueroute, laisse 27 millions en or. Et Rambaud. Il ne laissera rien. Rameau. À qui la charité fournira la serpillière dont on l'enveloppera. Bon. Pourrir sous du marbre ou pourrir sous la terre, c'est toujours pourrir. Allez, tenez. Si j'avais un clavecin, je vous jouerais un requiem déchirant sur ma mort. Inutile. Je vous sais fort habile et je vous crois sur votre parole. Fort habile. Hélas, non. Mais pour mon métier de professeur de musique, je le sais à peu près. Et c'est plus qu'il me faut. Car dans ce pays-ci, est-ce qu'on est obligé de savoir ce qu'on montre? Pas plus que de savoir ce qu'on apprend. Juste, m'en bleu, très juste même. Là, monsieur le philosophe. La main sur la conscience. Parlez net. Il y eut un certain temps où vous n'étiez pas cossu comme aujourd'hui. Je ne le suis pas encore trop. Mais vous n'irez plus Luxembourg en été, vous vous en souvenez? Oh, laissons cela, oui, je m'en souviens. En redingote de peluche grise déchirée. Oui, oui. Que faisiez-vous alors dans l'allée des soupirs? Une assez triste figure. Au sortir de là, vous trottiez sur le pavé. D'accord. Et? Vous donniez des leçons de mathématiques. Sans en savoir un seul mot. N'est-ce pas là que vous en vouliez venir? Justement. J'apprenais en montrant aux autres. Et j'ai fait quelques bons écoliers. Ça se peut. Mais il n'en est pas de la musique comme de l'algèbre ou de la géométrie. Aujourd'hui que vous êtes un gros monsieur... Pas si gros. Que vous avez du foin dans vos bottes... Très peu.
Vous donnez des maîtres à votre fille. Pas encore. C'est sa mère qui se mêle de son éducation. Car il faut avoir la paix chez soi. La paix chez soi ? Morbleu, on ne l'a que quand on est le serviteur ou le maître. Et avec sa femme, c'est le maître qu'il faut être. Oula. Quel âge a votre enfant ? Cela ne fait rien à l'affaire. Quel âge a votre enfant ? Que diable ! Laissons là mon enfant et son âge. Revenons plutôt au maître Calora. Pardieu, je ne sache rien de si têtu qu'un philosophe. En vous suppliant très simplement, ne pourrait-on savoir de Monseigneur le philosophe quel âge à peu près peut avoir mademoiselle sa fille ? Supposez-lui 8 ans. 8 ans ? Il y a 4 ans que ça devrait avoir les doigts sur les touches. Mais peut-être ne me souciais-je pas trop de faire entrer dans le plan de son éducation une étude qui occupe si longtemps et qui sert si peu. Et que lui apprendrez-vous donc, s'il vous plaît ? À raisonner juste, si je puis. Chose si peu commune parmi les hommes. Plus rare encore parmi les femmes. Laissez-la déraisonner tant qu'elle voudra. Pourvu qu'elle soit jolie, amusante et coquette. Puisque la nature a été assez ingrate envers elle pour lui donner une organisation délicate avec une âme sensible, et l'exposer aux mêmes peines de la vie que si elle avait une organisation forte et un cœur de bronze, je lui apprendrai, si je puis, à les supporter avec courage. Oh. Laissez-la pleurer et souffrir, minauder, et avoir les nerfs agacés comme les autres. Pourvu qu'elle soit jolie, amusante et coquette. Et puis, c'est tout. Point de chant, point de danse, point de musique. Et à la place des choses essentielles que vous supprimez... Je mets de la grammaire, de la fable, de l'histoire, de la géographie, un peu de dessin et beaucoup de morale. Combien il me serait facile de vous prouver l'inutilité de toutes ces connaissances-là dans un monde tel que le nôtre. Quelle inutilité. Peut-être danger. Hein. Mais pour ce moment, je m'en tiendrai à une seule question. Ne lui faudra-t-il pas un ou deux maîtres ? Je t'en doute. Ah, nous y voilà. Et ces maîtres ? Vous espérez qu'ils seront la grammaire, la fable, l'histoire, la géographie, la morale, dont ils lui donneront des leçons ? Chanson, mon cher philosophe, chanson ! S'il possédait ces choses assez pour les montrer, il ne les montrerait pas ! Et pourquoi ? Mais c'est qu'ils auraient passé leur vie à les étudier ! Il faut être profond dans l'art ou dans la science pour en bien posséder les éléments. Les ouvrages classiques ne peuvent être bien faits que par ceux qui ont blanchi sous le harnais. C'est le milieu et la fin qui éclaircissent les ténèbres du commencement. Ce n'est qu'après 30 ou 40 ans d'exercice que mon oncle a entrevu les premières lueurs de la théorie musicale. Fou, archi-fou. Mais comment se fait-il que dans ta mauvaise tête, il se trouve tant d'idées si justes, pêle-mêle avec tant d'extravagance ? Qui diable sait cela ? C'est le hasard qui vous les jette et le demeure. En vérité, il faudrait autant ignorer que de savoir si peu et si mal. À quoi rêvez-vous donc ? Je rêve que tout ce que vous venez de me dire est plus spécieux que solide. Mais laissons cela. Professeur de musique, hein ? Et vous avez montré, dites-vous, l'accompagnement et la composition. Oui ! Et vous n'en saviez rien du tout ? Non, ma foi ! C'est pour ça qu'il y en avait de pire que moi. Ceux qui croyaient savoir quelque chose. Au moins, je ne gâtais ni le jugement, ni les mains des enfants. En passant de moi à un bon maître, comme il n'avait rien appris, il n'avait rien à désapprendre. Et c'était toujours autant d'argent et de temps épargné. Comment faisiez-vous ? Comme ils font tous. J'arrivais ! Je me jetais dans ma chaise. Oh. Oh. Que le temps est mauvais. Que le pavé est fatigant. Je bavardais quelques nouvelles. Madame Untel est accouchée de 2 enfants à la fois. Jacques Péroratien. Tandis que mademoiselle qui ne se presse pas cherche son livre qu'elle a égaré, qu'on appelle une femme de chambre, qu'on gronde.
Le bruit court que Voltaire est mort. Tant mieux. Et pourquoi tant mieux, s'il vous plaît? C'est qu'il va nous donner quelques bonnes folies. C'est son usage que de mourir une quinzaine auparavant. Je disais quelques polissonneries que je rapportais des maisons où j'avais été. Car nous sommes tous de grands colporteurs. Je faisais le fou. On m'écoutait, on riait. On s'est crié, elle est toujours charmante. Cependant, le livre de mademoiselle s'était retrouvé sous un fauteuil où il avait été traîné, mâchonné, déchiré par un jeune douquin ou un petit chat. Elle se mettait dans son classe. D'abord, elle y faisait du bruit toute seule. Sting, 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 sting. Ensuite, je m'approchais. Après avoir fait à la mère un signe d'approbation, la mère disait « Cela ne va pas mal. On n'aurait qu'à vouloir, mais on ne veut pas. On aime mieux perdre son temps à jaser, à chiffonner, à courir, à je ne sais quoi. Aussi, vous ne la comptez jamais. Cependant, comme il fallait faire quelque chose, je lui prenais les mains, que je plaçais autrement. Puis je me dépitais. Je criais « Sol, sol, sol !» Mademoiselle, c'est un sol. La mère rajoutait « Mademoiselle, est-ce que vous n'avez point d'oreille ?» Moi, qui ne suis pas au clavecin et qui ne vois pas sur votre livre, je sens bien qu'il faut un sol. Vous donnez une peine infinie à monsieur. Je ne conçois pas sa patience. Vous ne retenez rien de ce qu'il vous dit. Vous n'avancez point. Alors je répétais un peu les coups. Et hochant la tête, je disais... Pardonnez-moi, madame, pardonnez-moi. Ça pourrait aller mieux si mademoiselle voulait, si elle étudiait un peu. Mais cela ne va pas mal. Pas mal du tout. Monsieur Rameau, vous la flattez. Vous êtes trop bon. Voilà de la leçon la seule chose qu'elle retiendra et qu'elle sera bien me répéter dans l'occasion. L'heure se passait. Mon élève me présentait mon petit cachet avec la grâce du bras et la révérence qu'elle avait apprise du maître à danser. Je bavardais encore un moment par bienséance. Je disparaissais ensuite. Voilà ce qu'on appelait alors une leçon d'accompagnement. Et aujourd'hui, c'est donc autre chose. Ah, parbleu, je le crois. J'arrive! Je suis grave. Je me hâte d'ôter mon manchon. J'ouvre le clavecin. J'essaye les touches. Je suis toujours pressé. Si l'on me fait attendre un moment, je crie comme si l'on me volait un écu. Dans une heure d'ici, il faut que je sois là. Dans 2 heures, chez madame la duchesse une telle. Je suis invité à dîner chez une belle marquise. Et au sortir de là, c'est un concert chez monsieur le baron de Bages. Et cependant, vous n'êtes attendu nulle part. Il est vrai. Et pourquoi employer toutes ces villes petites russes-là? Villes? Oui. Pourquoi, s'il vous plaît? Ce n'est pas moi qui les ai inventées. Et je serais bizarre et maladroit de ne pas m'y conforter. Monsieur le philosophe, il y a un état d'esprit général comme il y a une grammaire générale. Et puis des exceptions dans chaque langue. Que vous appelez, je crois, vous autres savantes. Et aidez-moi donc. Idiotisme. Tout juste. Eh bien, chaque état a ses exceptions de la conscience générale auxquelles je donnerais volontiers le nom d'idiotisme de métier. Idiotisme de métier. Et le souverain, le ministre, l'avocat, l'homme de lettres... le paysan, l'artisan, sont de fort honnêtes gens. Quoique leur conduite s'écarte en plusieurs points de la conscience générale et soit remplie d'idiotismes moraux. Plus l'institution des choses est ancienne, plus il y a d'idiotisme. Plus les temps sont malheureux, plus les idiotismes se multiplient.
Ce que je conçois clairement à tout cet entortillage, c'est qu'il y a peu de métiers honnêtement exercés, ou peu d'honnêtes gens dans leur métier. Il y en a point. Mais en revanche, il y a peu de fripons hors de leur boutique. À force d'idiotisme. C'est cela. Bref, je donne ma leçon et je la donne bien. Voilà la règle générale. Je fais croire que j'en ai plus à donner que la journée nadeur. Voilà l'idiotisme. Et la leçon, vous la donnez bien? Autrefois, je volais l'argent des écoliers. Ouais, je le volais. Ça est sûr. Aujourd'hui, je le gagne. Du moins comme les autres. Et le voliez-vous sans remords? Sans remords. On dit que si un voleur vole l'autre, le diable s'en rit. Les parents regorgés d'une fortune acquise, Dieu sait comment. Je les aider à restituer, en somme. Et puis quand les boyaux créent famine, la voix de la conscience et de l'honneur est bien faible. Suffit que si jamais je deviens riche, je suis bien résolu à restituer de toutes les manières possibles. Par la table, par le jeu, par le vin, par les femmes. Mais j'ai bien peur que vous ne deveniez jamais riche. Et moi, j'en ai le soupçon. Mais s'il en arrivait autrement, que feriez-vous? Je ferais comme tous les gueux revêtus. Je serais le plus insolent maroufle qu'on eût encore vu. C'est alors que je me rappellerai tout ce qu'ils m'ont fait souffrir. Et je leur rendrai bien les avanies qu'ils m'ont faites. Ah ! J'aime à commander, et je commanderai ! J'aime qu'on me loue, et l'on me louera. J'aurai à mes gages toute une troupe de flagorneurs, et je leur dirai comme on me l'a dit. Allons, faquin, qu'on m'amuse ! Et l'on m'amusera. Qu'on me déchire, les honnêtes gens ! Et on les déchirera ! Si on en trouve encore. Ah, et puis nous aurons des filles. Ah ouais, des filles. Nous nous enivrerons, nous ferons des comptes. Nous aurons toutes sortes de travers et de vices. Cela sera délicieux. Nous prouverons que Voltaire est sans génie. Que Buffon, toujours guindé sur des échasses, n'est qu'un déclamateur empoulé. Que Montesquieu n'est qu'un bel esprit. Nous relèguerons votre ami d'Alembert dans ses mathématiques. Nous en donnerons sur dos et ventre à tous ces petits catons comme vous qui nous méprisent par envie, dont la modestie est le maintien de l'orgueil, et dont la sobriété est la loi du besoin. Et de la musique, c'est alors que nous en ferons. Au digne emploi que vous feriez de la richesse, je vois combien c'est grand dommage que vous soyez gueux. Vous vivriez là d'une manière bien honorable pour l'espèce humaine. Hein. Bien utile à vos concitoyens, bien glorieuse pour vous. Mais je crois que vous vous moquez de moi, monsieur le philosophe. Si. Vous ne savez pas à qui vous jouez. Vous ne vous doutez pas que dans ce moment, je représente la partie la plus importante de la ville et de la cour. Prince bourgeois, hypocrite, médiocre, raté de toutes sortes. Ça fait du monde, tout ça. Voilà où vous en êtes, vous autres. Vous croyez que le même bonheur est fait pour tous. Quelle étrange vision. La vôtre suppose un certain tour d'esprit romanesque que nous n'avons pas. Une âme singulière, un goût particulier que nous n'avons pas. Vous décorez cette bizarrerie du nom de vertu. Vous l'appelez philosophie. Mais la vertu, la philosophie, sont-elles faites pour tout le monde ?
On a qui peut, on conserve qui peut. Imaginez l'univers sage et philosophe. Avouez qu'il sera diablement triste, hein. Boire de bon vin, se gorger de mets délicats, se rouler sur de jolies femmes, se reposer dans des lits bien moelleux, excepté cela, le reste n'est que vanité. Quoi ? Servir sa patrie ? Vanité ! Il n'y a plus de patrie ! Je ne vois d'un pôle à l'autre que des tyrans et des esclaves. Défendre ses amis. Vanité ! Est-ce qu'on a des amis ? Et quand on en aurait ? Faudrait-il en faire les ingrats ? La reconnaissance est un fardeau, et tout fardeau est fait pour être secoué. Avoir un état dans la société et en remplir les devoirs. Vanité ! Qu'importe qu'on ait un état, pourvu qu'on soit riche, puisqu'on ne prend un état que pour le devenir. Faire sa cour, morbleu, voir les grands, étudier leurs goûts, se prêter à leurs fantaisies, servir leurs vices, approuver leur injustice, voilà le secret ! Veiller à l'éducation de ses enfants. C'est l'affaire d'un précepteur. Bah, si ce précepteur, pénétré de vos principes, néglige ses devoirs, qui est-ce qui en sera châtié ? Ma foi, ce ne sera pas moi. Mais peut-être un jour le mari de ma fille ou la femme de mon fils. Bah, si l'un et l'autre se précipitent dans la débauche et les vices. Ah, cela est de leur état. S'ils se déshonorent. Quoi qu'on fasse, on ne peut se déshonorer quand on est riche. S'ils sont ruines. Ah bah tant pis pour eux. Bah, adieu vos vaches cochons. Bah, voilà. À votre avis, la société ne serait-elle pas fort amusante si chacun y était à sa chose? Pourquoi pas? La soirée n'est jamais plus belle pour moi que lorsque je suis content de ma matinée. Pour moi aussi. Ce qui rend les gens du monde si délicats sur leurs amusements, c'est leur profonde oisiveté. Ne croyez pas ça. Il s'agit de beaucoup. Comme ils ne se lassent jamais, ils ne se délassent jamais. Ne croyez pas cela. Ils sont sans cesse excédés. Le plaisir est toujours une affaire pour eux, jamais un besoin. Tant mieux. Le besoin est toujours une peine. Ils usent tout. Leur âme s'hébète, l'ennui s'en empare. Celui qui leur ôterait la vie au milieu de leur abondance accablante les servirait. C'est qu'ils ne connaissent du plaisir que la partie qui s'émousse le plus vite. Je ne méprise pas les plaisirs des sens. J'ai un palais aussi. Et il est flatté d'un mets délicat ou d'un vin délicieux. J'ai un cœur et des yeux. Et j'aime avoir une jolie femme. J'aime à sentir sous ma main la fermeté et la rondeur de sa gorge. Après ses célèbres des miennes. À puiser la volupté dans ses regards et à expirer entre ses bras. Quelquefois, avec mes amis, une partie de débauche, même un peu tumultueuse, ne me déplaît pas. Mais je ne vous dissimulerai pas. Il m'est infiniment plus doux encore d'avoir secouru le malheureux, d'avoir terminé une affaire épineuse, donné un conseil salutaire, fait une lecture agréable, une promenade avec un homme ou une femme cher à mon cœur, passé quelques heures instructives avec mes enfants, rempli les devoirs de mon état, écrit une bonne page, dit à celle que j'aime quelque chose tendre et douce qui amène ses bras autour de mon cou. Je connais telle action que je voudrais avoir faite pour tout ce que je possède. C'est un sublime ouvrage que le Candide de Voltaire, mais j'aimerais mieux avoir réhabilité la mémoire des Calas. Voilà une espèce de félicité avec laquelle j'aurais de la peine à me familiariser. À votre compte, il faudra donc être d'honnêtes gens. Pour être heureux, assurément. Cependant, je vois une infinité d'honnêtes gens qui ne sont pas heureux et une infinité de gens qui sont heureux sans être honnêtes. Il vous semble. Et n'est-ce pas pour avoir eu du sens commun et de la franchise un moment que je ne sais pas où aller souper ce soir ? Non ! C'est pour n'en avoir pas toujours eu. C'est pour n'avoir pas senti de bonheur qu'il fallait d'abord se faire une ressource indépendante de la servitude. Indépendante ou non, celle que je me suis faite est au moins la plus aisée. Et la moins sûre et la moins honnête. Mais la plus conforme à mon caractère de feignant, de sot et de vaurien. D'accord. Ah ! Et puisque je puis faire mon bonheur par des vices qui me sont naturels, que j'acquis sans travail, que je conserve sans effort, qui cadre avec les mœurs de ma nation, qui sont du goût de ceux qui me protègent
et plus analogues à leurs petits besoins particuliers que des vertus qui les gêneraient en les accusant depuis le matin jusqu'au soir. Il sera bien singulier que j'en lasse me tourmenter comme une âme damnée pour me bistourner et me faire autre que je ne suis. On loue la vertu, mais on la hait, mais on la fuit, mais elle gèle de froid. Et dans ce monde, il faut avoir les pieds chauds. La vertu se fait respecter. Et le respect est incommode. La vertu se fait admirer. Et l'admiration n'est pas amusante. J'ai affaire à des gens qui s'ennuient. Il faut que je les fasse rire. Or, c'est le ridicule et la folie qui font rire. Il faut donc que je sois ridicule, il faut. Et quand la nature ne m'aura pas fait telle, le plus court sera de le paraître. Je vois, mon cher. D'après cela, le seul conseil que j'ai à vous donner, c'est de rentrer bien vite dans la maison dont vous êtes imprudemment fait chasser. Non ! Je veux bien être abject ! Mais je veux que ce soit sans contrainte. Je veux bien descendre de ma dignité. Vous voyez, oui, votre dignité me fait rire. Chacun la sienne. Je veux bien oublier la mienne, mais à ma discrétion. Et non à l'ordre d'autrui. Et puis vous n'avez pas d'idée de la pétaudière d'où je viens. Imaginez un mélancolique et maussade personnage. Dévoré de vapeur, enveloppé dans deux ou trois tours de sa robe de chambre, qui se déplaît à lui-même, à qui tout déplaît, que l'on fait sourire avec peine en se disloquant le corps et l'esprit en 100 manières diverses. Triste, obscur et tranché comme le destin, tel est notre patron, Bertin. Vis-à-vis, sa femelle. Une comédienne ratée bigole, qui joue l'important. À qui l'on se résoudre à dire qu'elle est jolie. Parce qu'elle l'est encore. Quoi qu'elle ait sur le visage, quelques gales par-ci par-là. Et bien c'est pécis à vue d'œil. Plus méchante, plus fière, plus bête qu'une noix. Je ne vous aurais jamais cru si difficile. Ah, je ne suis pas. Au début, je voyais faire les autres et je faisais comme eux. Même un peu mieux qu'eux. Parce que je suis plus franchement impudent. Meilleur comédien, plus affamé. Fourni de meilleurs poumons. Et si ce rôle amuse d'abord, et si l'on goûte quelque plaisir à se moquer en dedans de la bêtise de ce qu'on enivre, qu'on flatte, à la longue, cela ne pique plus. Et comment se résout-on à débiter tant d'impertinence ? Ah, ça ne se fait pas d'un coup. Mais petit à petit, on y vient. Il faut être pressé d'une cruelle fin. Cela se peut. Quelque forte que les flatteries vous paraissent, croyez que ceux à qui elles s'adressent sont plus accoutumés à les entendre que nous à les hasarder. Mais comment s'en laisse-t-on si grossièrement imposer ? L'imposture n'est-elle pas flagrante ? On avale la pleine gorgée le mensonge qui nous flatte, hein. Et l'on voit goutte à goutte une vérité qui nous est amère. Et puis nous paraissons si vrais, si pénétrés. Mais il faut cependant que vous ayez péché une fois contre les principes de l'art. Et qu'il vous soit échappé, par mégarde, quelques-unes de ces vérités amères qui blessent. Car, en dépit du rôle misérable, vil, abject, abominable que vous faites, je crois qu'au fond, vous avez l'âme délicate. Moi ? Point du tout ! Alors là, que le diable m'emporte si je suis au fond ce que je suis. En général, j'ai l'esprit rond comme une boule et le caractère franc comme l'osier. Jamais faux, pour peu que j'ai intérêt d'être vrai. Jamais vrai, pour peu que j'ai intérêt d'être faux. Ainsi, je n'offense personne. Mais cela vous est pourtant arrivé, avec les honnêtes gens chez qui vous viviez, et qui avaient pour vous tant de bonté. Que voulez-vous ? C'est un malheur. Un mauvais moment comme il y en a dans la vie. Point de félicité continue, j'étais trop bien. Ça ne pouvait durer. Je me souviens, dans ces soirées chez les Bertins. Nous avons, comme vous le savez, la compagnie la plus nombreuse et la mieux choisie.
c'est une école d'humanité. Le renouvellement de l'antique hospitalité. Tous les poètes qui tombent, tous les ramassons. Tous les musiciens décriés, tous les auteurs qu'on ne lit point, toutes les actrices sifflées, tous les acteurs hués, un tas de pauvres honteux plats parasites, à la tête desquels j'ai l'honneur d'être. Brave chef d'une troupe timide. C'est moi qui les exhorte à manger la première fois qu'ils viennent. C'est moi qui demande à boire pour eux. Ils tiennent si peu de place. Nous paraissons gais. Mais au fond, nous avons tous de l'humeur et grand appétit. Des loups ne sont pas plus affamés, des tigres ne sont pas plus cruels. Nous dévorons comme des loups et nous déchirons comme des tigres tout ce qui réussit. Je suis surpris de la justesse de vos observations. C'est qu'on tire parti de la mauvaise compagnie comme du libertinage. On est dédommagé de la perte de son innocence par celle de ses préjugés. Dans la société des méchants, où le vice se montre un masque levé, on apprend à les connaître. Et puis j'ai un peu lu. Qu'avez-vous lu ? J'ai lu, je lis et je relis sans cesse Théophraste, La Bruyère, Molière. Ce sont d'excellents livres. Ils sont bien meilleurs qu'on ne le pense. Mais qui est-ce qui sait les lire ? Tout le monde, selon la mesure de son esprit. Presque personne. Élève Diderot, pourriez-vous me dire ce qu'on y cherche, hein ? L'amusement et l'instruction. Mais quelle instruction ? Car c'est là le point. La connaissance de ses devoirs, l'amour de la vertu, la haine du vice. Moi, j'y recueille tout ce qu'il faut faire et tout ce qu'il ne faut pas dire. Ainsi, quand je lis là-bas, je me dis, sois avare si tu veux. Écarte-toi de parler comme Harpagon. Quand je lis Tartuffe, je me dis, sois hypocrite si tu veux. Mais ne parle pas comme hypocrite. Garde pour toi des vices qui te sont utiles, mais n'en aie ni le ton ni les apparences qui te rendraient ridicule. Pour te garantir de ce ton, de ces apparences, il faut les connaître. Or, ces auteurs en ont fait des peintures excellentes. Je suis moi, et je reste ce que je suis. Mais j'agis et je parle comme il convient. Vous avez bien fait de me révéler ces mystères, sans quoi je vous aurais cru en contradiction. Ah, je n'y suis point, car pour une fois, il faut éviter les ridicules. Heureusement, il y en a 100 où il faut s'en donner. Et il n'y a pas de meilleur rôle auprès des grands que celui de fou. Longtemps, il eut le fou du roi en titre. En aucun, il y a en titre le sage du roi. Moi, je suis le fou de Bertin et de beaucoup d'autres. Le vôtre peut-être en ce moment. Ou vous le mien. Celui qui serait sage n'aurait point le fou. Donc celui qui a un fou n'est pas sage. Et s'il n'est pas sage, il est fou. Et peut-être fut-il le roi, le fou de son fou. Avouez, faire le fou pour se moquer de Bertin et de sa grosse vache. Position idéale. Vous n'êtes pas de ces gens-là. Pourquoi non ? C'est qu'il est au moins indécent de donner du ridicule à ses bienfaiteurs. N'est-ce pas pire encore de s'autoriser de ses bienfaits pour avilir son protégé ? Mais si le protégé n'était pas vil par lui-même, rien ne donnerait au protecteur cette autorité. Mais si les protecteurs n'étaient pas ridicules par eux-mêmes, on n'en ferait pas des bons comptes ! Et puis, est-ce ma faute s'ils sont canailles ? Est-ce ma faute lorsqu'ils sont encanaillés si on les trahit, si on les bafoue ? Quand on se résout à vivre avec des gens comme nous et qu'on a le sens commun, il y a je ne sais combien de noirceurs auxquelles il faut s'attendre. Si l'on mène un jeune provincial à la ménagerie de Versailles, et qu'il s'avise par sottise de passer la main à travers les barreaux de la cage du tigre ou de la panthère, si le jeune homme perd son bras dans la gueule de l'animal féroce, qui est-ce qui a tort ? Tout cela est écrit dans le pacte tacite. Tant pis pour celui qui l'oublie ou l'ignore. Combien je justifierais par ce pacte universel et sacré des gens qu'on accuse de méchanceté, tandis que c'est soi qu'on devrait accuser de sottise. Vous avez raison. Depuis que nous causons, j'ai une question sur la lèvre. Pourquoi l'avoir arrêtée là si longtemps ? C'est que j'ai craint qu'elle ne fût indiscrète. Ah, parce que je viens de vous révéler. J'ignore quel secret je puisse avoir pour vous. Vous ne doutez pas du jugement que je porte de votre caractère. Ah, oui, bon. Je suis à vos yeux un être très abject et très méprisable. Et je le suis quelquefois au mien.
mais rarement. Je me félicite plus souvent de mes vices que je m'en blâme. Vous êtes plus constant dans votre mépris. Il est vrai. Mais pourquoi me montrer toute votre turpitude? D'abord, c'est que vous en connaissiez une bonne partie. Et que je voyais plus à gagner qu'à perdre, à vous avouer le reste. Comment cela, s'il vous plaît? S'il importe d'être sublime en quelque genre, c'est surtout en mal. On crache sur un petit filou, mais on peut refuser une sorte de considération à un grand criminel. Son courage vous étonne, son atrocité vous fait frémir. On prise en tout l'unité du caractère. Mais cette estimable unité de caractère, vous ne l'avez pas encore. Ah, je vous trouve de temps en temps vacillant dans vos principes. Il est incertain si vous tenez votre méchanceté de l'étude ou de la nature. Et si l'étude vous a porté aussi loin qu'il est possible. J'en conviens. Mais j'y fais de mon mieux. J'ai voulu que vous connaissiez jusqu'où j'excellais dans mon art. Vous arrachez l'aveu que j'étais au moins original dans mon avilissement. Me placer dans votre tête, sur la ligne des grands vauriens. Et m'écrire ensuite, vive Rameau, l'empereur des... Moi, je sais ce que je... Quand je suis venu ici, j'étais prêt à dispo. Et me voilà roux et brisé, comme si j'avais fait des lieux. Cela m'a précipité, moi. Voulez-vous vous rafraîchir? Ah, volontiers. Que voulez-vous? Pour ce qu'il vous plaira. Je ne suis pas difficile. Tant qu'il y a de l'alcool. Santé. Je repensais à notre conversation sur la musique. Comment se fait-il qu'avec un tact aussi fin, une si grande sensibilité pour les beautés de l'art musical, vous soyez aussi aveugle sur les belles choses en morale, aussi insensible au charme de la vertu? Peut-être que j'ai toujours vécu avec de bons musiciens et de méchants gens. D'où il est arrivé que mon oreille est devenue fine et que mon cœur est devenu sourd. Et puis c'est qu'il y avait quelque chose de race. C'est dans les molécules. Aimez-vous votre enfant? Oh, si je l'aime. Le petit sauvage, j'en suis fou. Est-ce que vous ne vous occuperez pas sérieusement d'arrêter en lui l'effet de la maudite molécule paternelle? J'y travaillerai bien inutilement. S'il est destiné à devenir un homme de bien, je n'y nuirai pas. Mais si la molécule voulait qu'il fût un vaurien comme son père, les peines que j'aurais prises pour en faire un honnête homme lui seraient très nuisibles. L'éducation croisant sans cesse la pente de la molécule, il serait tiré comme par deux forces contraires et marcherait tout de guingois dans le chemin de la vie. Et vous en ferez un musicien afin qu'il ne manque rien à la ressemblance? Un musicien? Un musicien! Parfois je le regarde en grinçant des dents et je lui dis: si tu devais jamais savoir une note, je crois que je te tordrai le cou! Mais pourquoi? Cela ne mène à rien. Cela mène à tout? Oui, quand on excelle! Mais qui est-ce qui peut se promettre de son enfant qu'il excellera? Il y a 10 000 à parier contre un qui ne sera qu'un misérable racleur de cordes comme moi. Savez-vous qu'il serait peut-être plus facile de trouver un enfant propre à faire un grand roi qu'un grand violon? Il me semble que les talents agréables, même médiocres, chez un peuple sans mœurs, perdu de débauche et de luxe, avancent rapidement un homme dans le chemin de la fortune. Fortune? La seule chose qu'il paraît que vous ayez en vue. Sans doute. De l'or, de l'or. L'or est tout. Le reste sans or n'est rien. Aussi, plutôt que de lui forcer la tête de belles maximes qu'il faudrait qu'il oubliât sous peine de n'être qu'un gueux, lorsque je possède un louis, ce qui ne m'arrive pas souvent, je me plante devant lui. Je tire le vide de ma poche. Je le lui montre avec admiration. Je lève les yeux au ciel. Je baise le lui devant lui.
Et pour lui faire entendre encore plus l'importance de la pièce sacrée, je lui bégaye de la voix. Je lui désigne du doigt tout ce qu'on peut acquérir. Un beau fourreau, un beau chapeau, un bon biscuit. Ensuite, je remets le louis dans ma poche. Je me promène avec fierté. Je relève la basque de ma veste. Je frappe de la main sur mon gousset. Et c'est ainsi que je lui fais concevoir que c'est du louis qui est là que naît l'assurance qu'il me voit. On ne peut rien de mieux. Mais s'il arrivait que profondément pénétré de la valeur du louis, un jour... Je vous entends, je vous entends. Il faut fermer les yeux là-dessus. Il n'y a pas de principe moral qui n'ait son inconvénient. Au plus aller, c'est un mauvais quart d'heure. Mais qu'ils comprennent que l'or est tout et que le reste sans or n'est rien. Fort bien. À ne rien vous seler, je vous aime mieux musicien que moraliste. Je suis pourtant bien subalterne en musique et bien supérieur en morale. Qu'à cela ne tienne. Parlons musique. Et dites-moi comment il est arrivé qu'avec la facilité de sentir, de retenir et de rendre les plus beaux endroits des grands maîtres, avec l'enthousiasme qu'il vous inspire et que vous transmettez aux autres, vous n'ayez rien fait qui vaille. Quand la nature fit Bach, Scarlatti, Vivaldi, elle sourit. Elle prit un air imposant et grave en formant mon cher oncle. Quand elle fagota son neveu, elle fit la grimace. Et encore la grimace. Et encore la grimace. C'est ainsi qu'elle me fit. Et qu'elle me jeta à côté d'autres fruits secs. Tous se mirent à crever de rire en me voyant. Et moi, de mettre mes deux poings sur mes côtés, il y a crever de rire en les voyant aussi. Car les sots et les fous s'amusent les uns les autres. Ils se cherchent, ils s'attirent. Pourquoi n'avoir pas tenté celle d'un bel ouvrage? Écrire, composer. Et vous croyez que je n'ai pas essayé? Mais rien ne vient, rien! Rien, rien. Que me reste-t-il pour vivre? La pantomime des huit courtisans. Du gueux affamé. Je prends donc mes positions. Où je m'amuse des positions que je vois prendre aux autres. Je suis excellent pantomime. Je pose à merveille, comme beaucoup, comme tout le monde. Mais à votre compte, il y a beaucoup de gueux dans ce monde-ci, et je ne connais personne qui ne sache quelques pas de votre danse. Vous avez raison. Il y a dans tout un royaume qu'un homme qui marche, c'est le souverain. Tout le reste prend des positions. Le souverain? Encore y a-t-il quelque chose à dire? Et croyez-vous qu'il ne se trouve pas de temps en temps à côté de lui un petit pied, un petit chignon, un petit nez qui lui fasse faire un peu de pantomime? Quiconque a besoin d'un autre est indigent et prend une position. Le roi prend une position devant sa maîtresse. Et devant Dieu, il fait son pas de pantomime. Le ministre fait le pas de courtisan, de gueux, de flatteur et de valet devant le roi. La foule des ambitieux danse vos positions, en cent manières plus viles les unes que les autres devant le ministre. Ma foi, ce que vous appelez la pantomime des gueux est le grand branle de la terre. Ça me console. Ah, il y a pourtant un être dispensé de la pantomime. C'est le philosophe, qui n'a rien et qui ne demande rien. Et où est cet animal-là? S'il n'a rien, il souffre. S'il ne sollicite rien, il n'obtiendra rien. Et il souffrira toujours. Non. Diogène se moquait de ses besoins. Mais il faut être vêtu. Non, il allait tout nu. Oh, quelquefois, il faisait froid dans Athènes. Moi qui suis. On y mangeait. Sans doute. Au dépend de qui? De la nature. À qui s'adresse le sauvage? À la terre, aux animaux, aux poissons, aux arbres, aux herbes, aux racines, aux ruisseaux. Mauvaise table. Grand. Mais mal servi. Hein. C'est pourtant celle qu'on dessert pour couvrir les nôtres. Vous me conseillez de l'imiter? Je veux mourir. Si cela n'aurait pas mieux que de ramper, de s'avilir et de se prostituer. Si vous voulez. Mais voyez un peu l'heure qu'il est, car il faut que j'aille à l'opéra. Ah, qu'est-ce qu'on donne? Le Dauphin. Il y a d'assez belles choses dans la musique, hein. C'est dommage qu'il ne les ait pas dites le premier. Adieu, monsieur le philosophe. N'est-il pas vrai que je suis toujours le même? Hélas, oui, malheureusement. Que j'ai ce malheur-là encore une quarantaine d'années. Rira bien qui rira le dernier.
Et il partit, tout soudain. Je le retrouvai quelque temps plus tard, un soir, en linge sale, en culotte déchirée, couvert de lambeaux, presque sans souliers. Il était installé dans une taverne de faubourg, attendant le jour, entre un morceau de pain et un pot de bière. Toujours doué d'une organisation forte, d'une chaleur d'imagination singulière et d'une vigueur de poumon peu commune, il sidérait de son caquetage la population alentour. C'est le dernier souvenir que j'en ai.